Do you feel the vibe? Salut les amis, c'est Delta. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon Let's Play sur GTA V. On continue du coup les petites missions devant cette magnifique voiture, voilà, magnifique voiture de collection que j'ai piqué, donc du coup j'étais poursuivi par la police et j'ai dû recommencer mon épisode. Et on se retrouve du coup dans les studios de Richards Majestic pour une mission avec Solomon Richards. Hello, hello. Oh, good to see you, Slick. Mais c'est notre ami Devin Weston. It's over, Michael. You done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives of film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done. Plug's pulled now. The investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. And in this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael! They're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly, namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog! God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Oui, il est pas content, Michael. Hein. Oh, il est pas content. Ok, ok, the airport. Rien à faire, je vais prendre cette voiture. Voilà. Même s'il y a des voitures très rapides à côté, je préfère prendre cette voiture. Parce que ça fait beaucoup plus, enfin, beaucoup plus classe. Voilà. Voilà, tout simplement. Si vous avez raté des épisodes, c'est vrai que je le dis pas tout le temps. Vieux klaxon. Si vous avez raté des épisodes, je le dis pas tout le temps, mais c'est vrai que vous pouvez aller les retrouver dans la playlist qui est sur ma chaîne. Donc voilà, tout depuis le début, même si c'est vrai que les premiers épisodes étaient pas bien filmés parce que j'avais même pas de HPVR. Rien à faire qu'elle soit sous escorte policière. Nous on va la voir le film. On va la voir si on veut. On a ce qu'on veut dans ce jeu. Voilà, tout simplement. Molly's highly strong. She's not gonna stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Genre nerveuse. Moi aussi, je suis du genre nerveux. Tiens, donc si je veux le film, je le récupère tout de suite. Elle prend un avion, je détruis l'avion. Voilà. Allez. Je veux cette voiture, je prends cette voiture. Voilà. Je veux changer de klaxon. Je veux pas changer de klaxon, parce que le jeu m'oblige à avoir ce klaxon. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, c'est bizarre, il ne fait pas passer par un endroit normal pour l'avion. Peut-être que c'est un avion spécial, je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Allez, dépêche-toi, Michael. On n'a pas tout notre temps, Michael. Ouais, on double les voitures, on renverse les pancartes, elle vole sur plusieurs dizaines de mètres. On poursuivait Molly. Molly, reviens tout de suite. Reviens avec le film. Ah ouais, escorte policière, c'est vraiment escorte policière, ça rigole pas. Ah ouais, la police n'est pas avec elle. Ok. Ok, ok. Alors la police n'a rien à faire de moi. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Tant qu'ils en ont rien à faire. C'est bien. On aurait pu prendre le tremplin, mais bon, très honnêtement... Il y a l'avion qui se pose juste à côté. Si cette scène n'est pas juste épique, il y a toujours les caméras. Oh,
a... Ah ouais, carrément. Ah ouais, ça rigole pas. Tu m'étonnes que tu puisses pas rouler là. Ah oui, il y a ça. C'était pas déjà cramé ça au début? On pourrait remettre le jeu à... pas à zéro, mais... réinitialiser le jeu. Pour regarder justement si cet avion était déjà brûlé. T'as brûlé ma roue. Ouh, ça commence à cramer de ce côté-là. Et je suis poursuivi aussi du coup. Super. Et la voiture n'avance quasiment plus. Ah ouais, d'accord, ça a vraiment brûlé. Ok. Ok. D'accord. Moi, je m'attendais pas à... Enfin, je croyais que c'était juste la roue qui brûlait. Des fois, ça vous arrive sur les voitures. Alors, du coup, on prend la courbe poursuite ici. Si on fait attention. Voilà. On peut continuer. Ouais, c'est vrai que ça va quand même plus vite. Allez. Allez, les voitures de police qui, du coup, nous poursuivent réellement. Et qui rigolent pas avec ça. Et nous poussent... Ouf, ouf, ouf. On a retourné la caméra au boom. Ouh, on a bien tourné. Je suis sûr qu'on aurait pu passer sous l'air. Je suis sûr. Allez, arrêtez-vous tout de suite. Tout de suite, je ne veux pas le savoir. Mais non, je veux pas te tuer. Enfin, pas trop. Okay, bon, ça c'est fait. Allez, on court, on court, on court, on court. Oh. Ah, ça fait de la purée, hein. Wow. Eh, ça rigole pas. Hein. Oh là. Est-ce qu'on peut monter dans l'avion? Normalement, c'est au niveau des roues. Non, on peut pas. Bon. Dommage. Oh, on a un avion juste ici. Oh, si c'est pas génial, ça. Allez! Cours, 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 Michael. Plus vite que ça. Lance l'avion, lance l'avion. Allez, 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 allez. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez. Ouh. Oh là 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 là. Oh, c'était serré. Oh, ce décollage. On a un parachute, j'espère. Je sais pas du tout où on va atterrir, mais au moins on est libéré. Alors, un truc qui me fait c'est pas mal triper, c'est ça. Waouh. On est dans l'avion carrément. Ça, c'est pas génial. Ah oui, d'accord, c'était classe hein, son petit truc. Hein. Ah, rigole pas avec ça. Voilà, c'est ça. Imaginez, vous êtes dans un avion, vous allez vous crasher. Vous voyez ça. Honnêtement, à mon avis, ceux qui ont vécu des crashs ou des machins comme ça, bon, évidemment, ils sont plus là pour en parler. Mais honnêtement, tu dois vraiment avoir peur. Ouah, mais c'est moi où il tourne n'importe comment cet avion. Là, il y a l'hélico ici. Tourne, 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 tourne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je t'ai dit de faire ça? Est-ce que je t'ai dit de faire ça? Non. Alors, tu te calmes tout de suite. Voilà. Ouah, le réacteur est mort. Le réacteur est mort. Je crois qu'on va vite se rapprocher du sol. Je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Non. Salomon,
Bon bah ton film, j'ai récupéré et il va partir avec moi. Now that I know you prefer dictation. Really? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy and ran into it. But I saved the print. So we still got our movie. Je suis sûr qu'on peut le faire. You believe that? Non, on va pas le faire. It's all digital. We have backups everywhere. I mean, we're shooting on green screen. Well, you could have told me. I'm sorry. Look, I thought you knew. It's nearly done, and we've got to get it out before they can screw us again. I've greenlit a premiere. That will stop them from burying us. A premiere? For Meltdown? Okay. Can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Of course. It's already on its way by courier. All right. Shit. I'll get ready. It was an American divorce, by the way. A movie quote. Vite, sors, Michael, avant qu'il explose. Oh shit. Si ça c'était pas classe, si ça c'était pas un atterrissage magnifique. Bon. Du coup, est-ce qu'il y a eu la sauvegarde des 15 minutes? Je ne sais pas. Normalement non. Normalement non. Donc du coup on va continuer. On n'aura pas le temps de faire le braquage. Ah oui, c'est vrai, c'était l'autre qui m'avait appelé avant l'épisode. Eh, est-ce que tu peux me sauver? Je lui dis, te débrouille. Voilà, j'en ai rien à faire. Est-ce que je vous ai fait un épisode plus long? Bon, normalement j'aurai les vacances pour l'enregistrer, donc je pense que je vais vous faire un épisode un petit peu plus long que d'habitude et je vais vous enchaîner le braquage pour vraiment avancer dans le jeu. On n'est pas encore à 15 minutes, donc même qu'on a peut-être le temps de le faire, ce braquage. On verra. C'est quand même le FBI. Alors, du coup. Non, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. On rentre là-dedans, ils nous poursuivront pas. Ah, bah dis-donc, ils ont fait le ménage aussi. Bonjour. Guess because I'm not the one who's about to die based on some inappropriate decision I made a long time ago. Ah, thanks for the moral support. Appreciate it. What the fuck ever happened to burying the past, huh? Any fool should be able to turn over a new leaf, right? Well, first, your new leaves aren't so very different from your previous leaves. It seems like they fell from a pretty similar tree. And second, this is the age of the internet, my Luddite friend. Nothing is forgotten. There are no new leaves. Everything you do and don't do is recorded forever and used to beat you. This is the age of Judgment Day every day. And in the revelation of that, I'd say that you got off pretty lightly. What with all the murders and the thefts and... All right. This straight talk and new tell it like it is reality guy act. It ain't working so well for me. In that case, don't worry about it. Everything is fine. You're a good man and a great father, really. It's more like it. Hey, what's up, y'all? Hey. So what y'all talking about? The internet age. The internet age? Oh, yeah. Man, ain't we got a highly defended federal building to fucking rob? Yes, we do. Let's get after it. I'm gonna miss this place. If we're gonna do this thing, and maybe I guess this has all gotta be gone. All right, with the sad goodbyes. Ça me plaît pas trop quand les petites coupures se font pendant le... Ça porte toujours aux chances. Hein. Maintenant, ça va être mon porte-chance, hein. Même si c'est la dernière fois qu'on y va. Allez, Franklin, monte, s'il te plaît. Ça me plaît pas toujours, du coup, que ça coupe pendant les cinématiques. Je vais m'arranger pour que ça le fasse plus, même si les 15 minutes ne changeront pas. Techniquement, ils ne seront jamais changés. Hein. Say, why you so miserable? Must be an age thing. Great. Now there's something to look forward to. What's the plan again, man? And please, let it involve someone shooting you for being so goddamn miserable. Oh, what is this? Pick on me day? Look, I know I'm a miserable old prick, but give me a break. You and Lester. Shit. So the plan was feeling sorry for your ass, right? Wow. I miss Lester saying that shit, but sure. Let's feel sorry for Mike. Pour la sortie, ouais, ça passe. Je me suis amélioré quand même en voiture pour éviter de me prendre des voitures tout le temps.
De toute façon, je pense que c'est dû au GTA Online. J'en fais un peu plus qu'avant. Enfin, je m'y suis mis, hein, tout simplement. On peut pas dire qu'avant, c'était vraiment ça. J'ai fait 2-3 braquages, j'ai fait des machins comme ça. Faudrait que je vous fasse des lives, d'ailleurs, sur GTA 5. Je pense que ça pourrait être pas mal. Des lives GTA Online. J'en ferai pendant les vacances, de toute façon. J'en aurais déjà sûrement fait d'ici à ce que cet épisode sorte. Même si je pense que je vais pas mal améliorer le rythme des différentes vidéos, j'ai envie de sortir pas mal de Minecraft parce que l'aventure va très vite se terminer. Si elle est pas déjà terminée d'ailleurs. Normalement non. Le GTA faut que ça se termine rapidement. Ça fait trop longtemps qu'on est dessus. Le Assassin's Creed on doit être passé au Brotherhood normalement, ou alors ça va être prochainement. Brotherhood on va le faire très rapidement. Voilà, histoire que ça continue, machin comme ça continue. Les payottes c'est fini. Enfin, tout ça, voilà. Tout ça c'est fait. Donc, voilà. On passe par là. Bon, bah tant pis. Pourquoi à chaque fois qu'on écrase quelqu'un, la police nous poursuit? C'est une question bête, c'est une question vraiment stupide. Chopper pilot, gunman, driver and hacker should be waiting. I'll radio in. Guys, are you ready? Waiting on you. On vous attend. Ok. Ce pilote m'a surpris. Okay, I need my engineer stationed outside the building calling in updates. I'll be on standby, boss. Ok, on va les attendre. On va attendre que ça se termine ici, du coup. Alors, sinon ça va, Franklin? Pas mal, t'as vu un petit peu une belle vue en ce moment, hein, Franklin. Est-ce que ça fait la même chose avec Franklin qu'avec les stores? Oui, ça fait exactement la même chose. Mais ça fait un peu moins flipper quand même, même si c'est flippant. Alors, c'est bon? Les poursuites sont parfois beaucoup trop longues, hein, moi je trouve. Vous avez la police qui vous poursuit pendant 3 heures, alors que quand vous regardez votre truc... Bon allez les mecs, on va les poursuivre pendant une heure dans le jeu. Ah ouais, c'est génial. Alors pas du tout pourrir le temps de... Enfin, pas pour du tout pourrir leur gameplay. Laisse-moi passer s'il te plaît, voilà, il y a respect. Tout de suite. Voilà. Je vous ai fait un petit mystère sur cet endroit. Qui en fait n'était pas vraiment un mystère, mais... Mais bon. De toute façon, je l'avais mis en répertorié pour pas que ça vous pourrisse votre truc. Vu que c'était pas vraiment un mystère. All right, you're Haynes' pilot, right? We gotta wait until it's late enough, then we move in the chopper. Alors... Ouh. C'est tellement moulant qu'on dirait que tu n'as rien sur la peau, rien sur la peau. Ah là là. Seuls les gens cultivés sur YouTube reconnaîtront cette référence. Voilà, ça c'est dit. Ça c'est la violence. Monter assez haut pour pouvoir sauter. Ok. Ok, on va le faire. Il connaît sûrement mieux. Oui, il n'y a pas de problème. Ça devient violent. My friend Franklin here called me out for being an ungrateful prick on the way over here. I have to admit, I've been remiss. Everyone's being paid. Il est quand même, il paraît gros le cercle du coup. Donc on le voit d'aussi loin. Normalement il est censé être au-dessus de la tour. Ou peut-être pas, non, du coup, puisque on a un parcours en hélice, enfin en parachute. Il est carrément brûlé l'usine. Ah, je vais pas été retourné, enfin je suis pas retourné à l'usine une fois qu'il a été brûlé. Pour voir ce que ça donnait. Ou alors inconsciemment. Allez! Prends les commandes, vite, allez. Allez, pousse-le dans le vide. Allez, saute. Est-ce qu'on voit les autres? Ok, c'est ça le toit de l'immeuble du FBI. Les autres ont déclenché leur parachute beaucoup plus tôt. Bon,
pense pas que ça ait d'impact. Allez. On va atterrir. Ça fait vraiment classe avec la ville comme ça de nuit. Ils vont beaucoup plus vite que nous, c'est normal. À moins que j'ai pas la bonne technique en parachute. Même s'ils ont atterri avant, ça fait quand même pas mal. Allez. Du coup. Allez, marqué FIB en gros. Come on, Franklin. Let's go, buddy. Got it. Schlum. Great. Si c'est pas génial, ça va enlever les vitres comme ça. Fuck. I'm in the building. The server room is in the southeast corner of the building. Intéressant. Allez, à la salle du serveur. Ok, c'est juste ici. Hey, here you go, dog. That's a nice weapon. It's locked. I'm set. Je pose une charge. Allez. Good people bring the right tools for an occasion. Let's get ready for the security. C'est pas du tout discret. The alarm's been tripped. Yeah, no shit. An explosion will tend to do that. I'm looking at the terminal. The programs are on your cell phone, connected to the machine. They better be. You need to access my computer. Your cell will show as an external device. Le téléphone apparaîtra comme un périphérique. Ok. First, run Hack Connect. It'll establish a connection with the servers. Concentrate. You gotta find this terminal's IP in the network. Ok, 2893. Waouh, il y en a max. Looking for the IP address. That number at the top. In the massive numbers in the middle. What? 2893. What? On est censé la trouver là? Je vois des 28, je vois des machins, mais... Waouh, ça va trop vite. 28, 36... Comment est-ce que ça tourne? D'accord. 28, faut qu'on trouve un 28. 28, 94, 01... Ok, d'accord, on va attendre ici. Hop, voilà. Ok, connection established. Now, to take down the firewall, run bruteforce.exe. Alors... What? The program will expose each character of the password as it tries different encryptions. Okay. Select them quickly, because they won't be active for long. Okay. Voilà, il y a respect. Looks like we're in. Good work. Si continue bien avec un okay. Start down and out.exe, and I'll do the rest from here. Temps restant. Ah bah voilà, c'est pas trop loin, dis donc. Hear that? We gotta hold them up. Okay, on va devoir tenir. Bon, on reste avec Michael du coup, vu que c'est le meilleur. Écoute. Allez mon ami. Wow, et c'est violent hein. C'est carrément la violence. Allez, on arrive avec OFBI, avec des RPG. Bim. Et bim! Dans ta face! Allez, on continue quand même. Ah, c'est violent! Waouh! Wow. J'ai un peu chaud. Waouh, il y en a carrément là! Eh oh, on se calme! Ils arrivent. Allez. Franklin, il va mourir, c'est bien. Ok. Sors. Il est bête. Oh non. Et voilà, on perd un de nos meilleurs bras, enfin nos meilleurs. Don't worry, we got a backup plan. Use the harnesses. Repel from a few floors down. Ah, shit, they smoking us out. It's just a little smoke, people. Guys, you there? Yeah, go ahead. The helicrash caused extinction.
sais pas qui est-ce qui était au pilote. Est-ce que c'est celle qu'on a choisie la dernière fois? C'était juste à 5%. Ah, parfait. Alors. Du coup, échappez-vous de l'immeuble du FBI. Allez, allez. On peut le faire. D'accord. C'était aussi nul que ça. Allez. Move out the way, man. I got this door. Bim. Oh, il s'en est occupé de manière pas mal. Wow. Il était présent. Opening. Here we go. What? Oh. Franklin est mort. Ok. Ok. Ah ouais, ils ont rien compris. Hein. Wouah. Donc, on reprend ici. Hey, let's move. Hey, we got a problem up here. Sprinkler system. Can't see anything. Man, can I have to shut it off? Allez. Continue, continue. Voilà, toi t'es mort. Voilà, il y a respect. Ok. Donc, qui était le pilote? Il s'en est pas sorti, mais c'était pas l'autre. À 5%. C'est pas la classe. Allez, équipe d'intervention devant, allez. Vous aviez des armes. Toujours se méfier. Allez, un garde ici. Allez, il y en a encore devant normalement. Ouais, ça va arriver. Vous êtes pas discret les gars. En plus de ça, vous êtes nuls. On me, come on. Stay with me. Hop, petite coupure. Comme quoi, ça prend du temps de tourner. Allez, on passe avec Franklin, du coup, qui a sûrement plus de vie que nous. Ouais. Stay close to me, dog. Allez, hey, F, you're on point. Franklin, tu passes devant. Bah oui, évidemment. Ah d'accord, je croyais que c'était un fusil à pompe. C'est une arme automatique. Allez. Ça devrait aller. Well, then we better get gone before they show up. Let's get the fuck out of here. Okay, let's blow this joint. Over to the right, dog. Man, it's about every cop in LS County on the way. It don't look like they're for us. Not yet, at least. An air unit seen you on the side of the building. Look out, guys. Ah, crap! They got a bird! Wow, hey, y a du monde, hein. Y a du monde pour nous accueillir. C'est bon, allez. Ouh. Ouais, pourquoi on peut pas charger? Meurs. Bah c'est bon. Allez, on continue. On va descendre en rappel.
No shit, let's get cracking, man. Unless you're feeling at home in this Fed building. Hey, you wanna sign with Trevor? Feel free. Man, I was just fucking with you, dawg. Let's do this shit. Class. Driver should be meeting us up front. Rejoignez le point de ramassage. Allez. Public sector assholes. Les fonctionnaires, ils en prennent toujours plein la tête. Dans... Allez. Hop, voilà. Rich, Gustavo, ok, donc il y en a un peu, aucun qui est mort, je sais pas qui c'est qui est mort avec l'hélicoptère du coup. Eh ben c'est parfait, dis-moi. Hein? Même s'il nous avait pas vu avec... on rappelle. Frank, I told Les we could use your place for a post-mortem. Hey, Taliana, right? Great move, bringing an ambulance. It's a common trick. The crew don't get jumpy, it usually works. Common or not, it takes balls. And you got them. Oh, now we're clear, I can probably say I never expected to make it out of there. Yeah, sure, man. We had it covered. Oh, really? It was covered, was it? Yeah. Lester had the plan. It was all set up. Yeah, we had a plan. Hold off the nastiest team of crooked FIB agents in the country while the last of the baby boomers pretends he's a hacker? Come on, it was hopeful. And then when the chopper crashed? Oh, man, I thought there was no fucking way. Why do you think Lester burned down the business? Hell, why do you think I'm doing it for nothing? And these clowns are getting paid? You're screwing with me, right? I've already given you a major discount on my standard rate. Yeah, of course. Don't think I'm ungrateful. If you want to renegotiate, let's go back and I'll drop you outside the FIB building. I get it. I'm sorry. Hey, man, tell him you messing with him, Mike. Taliana, we're coming up on the place. Can you do me a favor? Get rid of the vehicle and drop him off somewhere. Mais toi, tu peux le déposer, c'est moi qui conduis. Ardeo. Y'a aucun respect, là. Bon. Rentre chez toi, Franklin. C'est qui toi? C'est Lester? What? Jesus! Any longer I was gonna torch this place too. Hey, you did it! We did! Yeah! Fucking it! Hey, where's my liquor at, dawg? I got it. It's right here. Let's go, come on. Here it is, come here. There you go. Man, you may be a conflicting, hypocritical, self-loafing old bastard, dawg, but there's no one else I'd rather rob a federal building with me. Amen to that. Thank you, boys. Cheers. Cheers. So, you want another drink? I think I better stay at least a little bit sober. I gotta deal with Davey and Dickwad yet. Put things to bed. Man, you want me to roll with you, dawg? No, I probably better do this alone. I mean, we did everything. We're all in this together, right? So as long as we all are not together, there's nothing they can really do to us. All right, see you, dawg. Take care. Then it's Trevor and I'm out. Oh, we're gonna need Trevor. Maybe you should give him a call now. Oh, fuck that. After I take care of this shit. Alright, well, take care of yourself. Frankie! Lester! Lester needs a drink! Ok. Ah, petit trophée aussi de mon côté, l'arbin du gouvernement. Vous avez dû voir, je pense. Du coup, part de l'équipe, part de Lester, part de Franklin, part de Michael, zéro. Budget du FBI, 331 000, bah ça va, tranquille. Pas d'innocent, hein. Ah, il y a un innocent. Ah oui, on a tué un innocent, c'est vrai. Tir à la tête, précision, bah oui, effectivement. Bon, du coup, alors, j'espère que vous aurez aimé ce petit épisode qui était assez long quand même, pendant qu'on massacre la voiture de Franklin et qu'on a un appel de Dave. Donc en tout cas, si vous l'avez aimé, vous pouvez le liker, laisser un petit commentaire, partager. Je vous laisse l'appel. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether? Repeatedly? It doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb.
They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right, all right. I'll come to the court center. Fuck. Alors, je sais pas où est passé Franklin. Mais en tout cas, vous pouvez partager l'épisode, ça c'est sûr. Au moins, on est sûr qu'il est toujours là. Et vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas encore fait. Parler de la chaîne à vos amis. On va rentrer tranquillement dans la maison de Franklin sans qu'il s'en aperçoive. Et bah, tout simplement, qu'est-ce que tu fais avec Lester, Franklin? Ok. Et tout simplement, bah, on va se dire à plus tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.